Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du conseil municipal du 7 juin 2016. Cette rencontre-là, la rencontre de travail a eu lieu le 30 mai dernier sur l'ensemble des sujets que l'on va traiter. Est-ce que M. Camiran, vous êtes toujours partant? Oui, pour, certainement. Point 1, administration générale. 1.1, adoption de l'ordre du jour. 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 mai 2016. 1.3, proposition de sujet à l'ordre du jour de l'Assemblée générale annuelle de la Fédération québécoise des municipalités. Situation municipale particulière de la ville de Percé. 1.4, approbation des comptes. 1.5, office municipal d'habitation de Percé, budget 2016 révisé. 1.6, renouvellement de l'entente de travail avec le personnel cadre. 1.7, police d'assurance de la ville de Percé. Retrait du comité jeunesse de Cap d'Espoir à titre d'assuré additionnel en assurance responsabilité civile. 1.8, section de l'ancienne route 6 sise sur les lots 5 854 910 et 5 804 912. 1.8.1, fermeture de la section sise sur le lot 5 854 910. 1.8.2, vente à Mme Nicole Dumas et M. Léonard Thibault. 1.9, présentation d'un projet dans le cadre du Fonds d'aide aux initiatives régionales. Volet 4, soutien au développement des municipalités locales. 1.10, renouvellement de l'adhésion au réseau Villes et Villages en santé. 1.2, voirie municipale. 2.1, engagement d'un manœuvre saisonnier été en remplacement d'un congé de maladie. 2.2, engagement d'un journalier opérateur saisonnier été en remplacement de congé de maladie. 2.3, engagement d'un mécanicien à un poste régulier à temps plein. 2.4, document CSST. 2.4.1, adoption du programme de prévention incluant la procédure générale d'entrée et de travail en espace clos. 2.4.2, adoption des procédures pour les travaux d'excavation. 2.5, reddition de compte 2015, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. 2.6, avenant numéro 1, entente signée en 2008 entre le ministère des Transports et la ville de Percé. Préparation des plans et devis pour la reconstruction de la route 132 Côte-Surprise. 2.7, ministère des Transports du Québec, demande de permission d'occupation de partie de l'ancienne route 6 sise sur les lots 4 900 233 secteur Saint-Georges-de-Malbaie et 5 083 471 secteur Bridgeville dans le cadre de travaux de remplacement de ponceaux. 2.8, demande pour l'installation de lumières sur la rue Gionnet à Barachois et dans le secteur de Val-d'Espoir. 3. Aménagement, urbanisme et développement. 3.1. Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. 3.1.1. Construction d'une résidence unifamiliale isolée au 312 route La Fontaine, Cap d'Espoir. 3.1.2. Construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 083 969 route des Pères, Val d'Espoir. 3.2. Promenade transitoire de Percé. 3.2.1. Demande d'autorisation en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement, 3.2.2. Appel d'offres sur invitation pour les travaux de structure et pour les travaux d'architecture en vue de la construction des tours d'observation. 3.3. Relance Fort Prével incorporé, résolution d'appui au comité et désignation d'un observateur au conseil d'administration. 3.4. Comité de concertation du Barachois de Malbaie, demande d'aide financière pour l'embauche d'un guide interprète. L'organisation de la journée festive, le Barachois en fête et la création d'un site Internet. 3.5, comité ZIP Gaspésie, campagne d'adhésion. 3.6, demande de Mademoiselle Élodie Couture pour l'autorisation d'opérer une machine à pop-corn sur la rue, sur la propriété de l'auberge La Table à Roland au cours de la saison estivale 2016. 4. Tourisme. 4.1. Association touristique régionale de la Gaspésie. Renouvellement de l'adhésion. 4.2. Engagement d'étudiants au bureau d'accueil touristique. 5. Loisirs et culture. Malbaie Festival, édition 2016. 5.2. Club de golf Fort Prével Inc. Offre d'achat publicitaire sur le parcours. 6. Affaires nouvelles. Merci beaucoup. Donc, proposeur pour l'ordre du jour. Je propose. 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 mai. Tout le monde a reçu le document. Vous en avez pris connaissance au long? Ça va? Ça va? OK, donc, proposeur.
Monsieur Réel. 1.3, proposition de sujet à l'ordre du jour de l'Assemblée générale annuelle de la Fédération québécoise des municipalités, situation municipale particulière de la ville de Percé. Début de l'hiver dernier, on a commencé des démarches, à l'automne dernier, on a commencé des démarches plus spécifiques avec le ministère des Affaires municipales sur la situation financière de la ville de Percé. Quand je parle de situation financière, je parle des effets de coupures à l'intérieur du pacte fiscal qui a eu un effet important sur les revenus de la ville de Percé. Et aussi tout le côté configuration particulière de la ville de Percé comme ville, petite ville, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Hein, presque 70 km de littoral, 110 km de route au total à peu près. Trois casernes de pompiers au lieu d'une. C'est toutes des choses qui s'ajoutent. Il y a d'autres éléments. On est un site patrimonial reconnu, donc, qui nous amène à avoir une gestion particulière de ce site-là, et j'en passe. Donc, on a fait des démarches avec le ministère, on a fait des démarches avec les différentes fédérations municipales. Lors du congrès, en septembre qui vient, pendant l'Assemblée annuelle de la Fédération des municipalités du Québec, dont nous faisons partie, regroupe l'ensemble des maires des petites villes du Québec. Nous avons l'opportunité à chaque année de mettre à l'ordre du jour pour discussion un point. Donc, aujourd'hui, on présente une résolution pour amener ce débat-là sur la particularité distincte de Percé comme municipalité et les effets du pacte fiscal directement sur nous. Donc, on devrait... en septembre, là, pouvoir ouvrir un débat à Québec sur la situation de Percé. On est assez unique comme type de ville, donc on est capable de montrer une image assez fidèle pour faire comprendre à tout le Québec comment on est organisé. Est-ce qu'on a besoin de lire la résolution? J'ai pas mal résumé, hein? Oui. Ouais. La résolution, cette demande-là qu'on fait, cette démarche-là, se fait toujours par résolution, naturellement. Alors, c'est pourquoi on la passe ce soir pour l'envoyer au plus vite. C'est ça? Donc, une proposition? Je propose. J'aimerais qu'on la lise, la résolution, si c'est possible. On peut la lire. Ça fait plaisir. J'y vais? Oui, s'il vous plaît. Situation municipale particulière de la ville de Percé. Considérant la situation particulière que connaît la ville de Percé en raison des conditions reliées à la grandeur de son territoire et à sa faible densité d'occupation, ainsi qu'à son industrie principale, le tourisme, qui en fait sa renommée, considérant qu'afin de répondre à ses obligations en matière municipale et à celles reliées aux services touristiques, cette situation oblige la ville à déployer des mesures exceptionnelles comparativement à la moyenne des villes du même type. Considérant qu'à différentes occasions au cours des dernières années, la ville de Percé a tenté de sensibiliser le ministère des Affaires municipales de l'occupation du territoire et des autres intervenants municipaux à sa situation particulière, en faisant valoir les raisons pour lesquelles elle devrait faire l'objet de considérations financières spéciales et d'une modulation de ses transferts par le gouvernement du Québec. Considérant qu'à ce jour, la ville n'a pas reçu l'écoute attendue à ses revendications, notamment de la part de l'FQM, à preuve, le pacte fiscal transitoire pour 2015 et le nouvel accord de partenariat financier avec les municipalités pour 2016-2019, lui ayant fait perdre plus de 1 000 000 $ en revenus de transfert. Considérant que la ville de Percé souhaite susciter une discussion à la FQM en regard de sa situation particulière, considérant qu'en vue de la prochaine Assemblée générale annuelle des membres de la FQM, un membre peut faire inscrire une proposition de sujet à l'ordre du jour en transmettant une résolution du Conseil indiquant que celle-ci est déposée pour discussion, considérant que la Ville est membre de la FQM. Et c'est la fin. Merci. Naturellement, la FQM a déjà le dossier, a reçu le dossier cet automne. Alors,
Beau. 1.4, approbation des comptes. Ça va? Oui. Le gros morceau qu'on passe moi ici, là, j'ai remarqué, je vous ai parlé tantôt, c'est l'odeur. C'est un montant total de 16 000. Ça se trouve être la job pour remplacer le moteur qui était défectueux, c'est ça? Oui, remplacer le moteur. OK. Pour le reste, ça va? Ça totalise combien déjà? Le montant des comptes payés? Oui. 192 000. OK. Puis l'autre, pour les chèques, c'est 300. 303 000. OK. Merci beaucoup. C'est. Proposition. Ça va. Monsieur Warren. C'est. 1.5, Office municipal d'habitation de Percé, budget 2016 révisé, madame. Oui, c'est ça. Donc, suivant les règles de la Cité d'habitation du Québec, chaque fois qu'elle revise le budget de l'OMH en cours d'année, le budget révisé doit être approuvé par la municipalité, puisque la municipalité contribue au déficit. Donc, le budget révisé amène une contribution de la ville pour l'année révisée à ce jour pour la ville de Percé de 10 209, comparativement à 10 149 lors de l'adoption des prévisions initiales. Merci. Donc, c'est une petite augmentation pour nous. Proposition? Je propose. Merci. 1.6, renouvellement de l'entente de travail avec le personnel cadre. Je vous laisse exposer ça. Notre personnel cadre est sans contrat de travail depuis le 31 décembre dernier. C'était volontaire la dernière fois. On a fait un contrat de travail seulement de 2 ans pour éviter qu'on ait au même moment renouvelé une convention collective avec les employés et une entente avec le personnel cadre. La prochaine entente proposée est de 5 ans. Par courriel là, les détails de l'entente. Il y a eu quelques questions qui ont été échangées. Je crois avoir bien répondu. Est-ce qu'il y en a d'autres questions qui pourraient venir en séance ce soir? Oui. On a reçu les documents 2 jours après notre réunion de travail. On n'a pas discuté de ce point-là, qui est un point important, une masse salariale importante. On peut en parler ici, mais je pense que ce n'est pas le moment d'en parler. Je pense qu'on serait mieux de se rencontrer et d'aller à fond sur ce dossier-là. Quand même qu'on ne va pas faire ça, je pense que ce n'est pas une super urgence à la prochaine séance. Il y a des choses là-dedans qui, pour moi, disons, peuvent être regardées. Je pense que c'est une proposition que je fais de reporter le sujet pour qu'on ait le temps de discuter en séance de travail. Je ne sais pas si ce que vous pensez de ça. On peut faire une proposition. Est-ce que ça pénalise? Non, ça ne pénalise pas. Non. C'est sûr que l'augmentation demandée est en dessous de la moyenne provinciale. Le montant prévu au budget était supérieur à ce qui était négocié avec les investisseurs des comptes. Donc, les demandes sont inférieures au budget qu'on avait prévu. Moi, je trouve que c'est une très bonne entente, d'abord. Moi, je n'ai trouvé rien à dire de ça. Est-ce qu'on demande un vote? Écoutez, il n'y a pas eu de rencontre avec le conseil. Il n'y a pas de comité de relations de travail avec un des mandats donnés à un des conseillers. Normalement, c'est un conseiller qui va être sur le comité de négociation. Il n'y a pas ça. Les chiffres amenés sont discutables, les pourcentages, les comparaisons. Je n'ai pas les mêmes chiffres, moi, quand je fais les comparaisons avec les tableaux. On est à 37% l'ensemble du municipal. C'est pour ça que je n'ai pas eu le temps de regarder les détails. Mais l'ensemble du municipal est 37% meilleur que l'ensemble de la fonction publique. Et il y a un paquet de chiffres là-dedans qui, je pense, ne doivent pas nécessairement sortir dans une réunion. Mais je pense qu'ils sont importants qu'on en parle en privé. Pour arriver avec quelque chose. Là, je ne suis pas satisfait de la négociation. J'ai l'impression qu'on donne à 100% ce qui a été demandé, tout simplement. Là. Okay. C'est pas pire que ça. Le chiffre de 37%, hein, pour ça. Ben, c'est l'Institut des statistiques du Québec, sorti ça l'année passée. Et puis, dans l'ensemble, comme là, la fonction publique a négocié sur 3 ans à 2% en bas de ça.
Moi, je pense que ce qu'il y a sur la table-là, ce n'est pas acceptable, ça mérite d'être regardé. Même la durée de la convention pourrait être regardée. On n'a pas eu le temps d'en discuter, grosso modo. C'est juste ça. Moi, ce que je propose, c'est qu'on prenne, qu'on en parle en séance de travail à la prochaine réunion, tout simplement. On va négocier. Qu'est-ce qu'on a fait pour le personnel, non cadre? Pour les syndiqués? La convention collective. La convention collective, on fait la même chose? Oui, il y a eu un comité de négociation. Quoi, c'est vrai, un comité de négociation. C'est ça. Lui, il parle de 35%. Moi, ce que j'ai vu en promenade, c'était 40%. C'est ça. Mais on parle quand même d'un salarial pour 5 employés de l'auto de 400 000 pièces. On tombe-tu? Pas loin? 400 000. Avec des avantages, je ne suis pas loin de ça. Fait des calculs. Ben, ça voudrait peut-être un peu élevé. Qui est arrivé à la décision que vous proposez, mais en soi. Est-ce que. Oui, la proposition que je fais, c'est de reporter ça à la prochaine séance, tout simplement. Est-ce que ça n'implique pas rien de reporter ça? Non, on a juste en contrat de travail depuis le 31 décembre. C'est-à-dire. On va le reporter à la prochaine réunion de travail. Okay. Tout le monde. Merci. On avait eu ces documents-là quand même en début de semaine. On avait le temps de les étudier. Ouais. C'est correct. Mais non, mais on va le réévaluer. Oh, on n'analyse rien, de toute façon. On travaille avec les chiffres qu'on a. Mais bon. Revenez-vous dedans. OK, revenez. 1.7. Police d'assurance de la ville de Percé, retrait du comité jeunesse de Cap-d'Asseoir à titre d'assuré additionnel en assurance responsabilité civile. C'est ça. Comme le comité jeunesse était assuré uniquement en responsabilité civile à titre d'assuré additionnel sur la police de la ville, comme maintenant ils ont adhéré au nouveau programme de l'UMQ pour les OSBL, pour le retirer. On n'a plus besoin de notre assurance parce que maintenant, il y aura assurance bien et tout ça avec cette assurance-là. Donc, pour retirer de notre assurance à nous, il faut, l'assureur demande qu'on passe une résolution. C'est très technique. C'est une proposition? Je propose. 1.8. Section de l'ancienne route 6, sise sur les lots 5 854 910 et 5 854 912. 1.1.1. Fermeture de la section sise sur le lot 5 854 910. Oui, ce sont des sections de route situées pas loin de la route de la station à Saint-Georges-de-Malbaie. Les propriétaires, il y a une section qui a déjà été fermée à la circulation, ce qu'on appelle qui n'a plus de caractère public. L'autre n'était pas encore fermée. Donc, avant de le rétrocéder, de le vendre aux propriétaires contigus, on doit fermer le numéro 5 854 910 à la circulation, une formalité, et ensuite maintenant on peut vendre. Les deux lots, le 5 854 910, c'est d'une superficie de 822,2 mètres carrés, donc à 25 sous du pied carré, c'est pour un montant de 2213. Et l'autre section, 5 854 912, 815,6 mètres carrés. C'est un montant de 2195 et plus les taxes, évidemment. Okay. Donc, je comprends bien, Mme Dumas et M. Thibault. Ils ont demandé d'acquérir ces propriétés-là, okay. Et on peut leur céder. Ils ne sont plus d'aucune utilité et on n'enclave personne. C'est beau. Est-ce que c'est deux propositions? En fait, quand c'est trois propositions, une résolution pour fermer puis une résolution pour chacune des ventes. Donc, une proposition de M. Daniel, une proposition de M. Rail. Pardon? Une proposition de M. Daniel, une proposition de M. Rail. Bon, la fermeture, c'est M. Fermeture, c'est M. Daniel. La vente, c'est M. Rail. Les deux ventes, c'est M. Rail? Oui. 1.9. Présentation d'un projet dans le cadre du Fonds d'aide aux initiatives régionales FER, volet 4, soutien au développement des municipalités locales. Donc, c'est un peu le même programme que l'an passé avec les mêmes. Oui, les travaux prévus, c'est l'amélioration de l'entretien de notre réseau sentier pédestre et des travaux au quai de Balachois. OK. C'est un projet d'aide financière de 33 333. Ça comprend 10 %. 3333, qui est la
participation financière à la ville de Percé. Proposition. Question. À peu près quand on prévoit aller faire les travaux au quai de Barachois? Non, ça c'est dans la première partie de l'été ou je sais pas. En fait, il y a quand même, je pense que... Il reste de l'argent aussi dans le compte. Là. Oui, oui. Il y a, c'est que Barachois Institute, oui. Je pense qu'il y a un artiste qui veut utiliser la structure ouais. Pour l'occasion. Alors, on va voir avec M. Michaud, là. Si on peut... Ah. Il veut faire une installation avec, pourquoi pas, avant de, ben c'est ça, c'est ça. Avant de la débâtir. C'est à ça que ouais. Je pensais, l'événement va avoir lieu au mois d'août. Et puis, idéalement, ce serait que ce soit prêt avant l'événement, parce qu'il y a des choses encore dangereuses cette année. Oui, mais c'est ça, on va regarder ça avec M. Pitlon. Mais il avait déjà planifié ouais. Quelque chose. OK. Merci. Proposition. Monsieur Camilla. Okay, 1.10, renouvellement de l'adhésion au réseau Ville et Village en santé. Donc, je peux une, 115. Combien? 715. C'est pas le montant que tu as porté, c'est le principe d'adhérer. D'adhérer à ça. Donc, voirie municipale, 2.1. Ah, mon Dieu, proposeur. Voirie municipale, 2.1, engagement de manœuvre saisonnier été en remplacement de congé de maladie. Des gros chamboulements. Il y a beaucoup de personnel là, qui précède là, ces nominations-là. Donc, au 2.1, la manœuvre saisonnier, on vous propose de procéder à l'embauche de M. Jean-Luc Quirion. Jean-Luc Quirion. On les fait les trois ensemble. Oui, s'il vous plaît. 2.2, le journalier opérateur, toujours un remplacement de congé de maladie. M. Gary Réel. Et finalement, l'engagement d'un mécanicien. Ça, c'est un nouveau poste régulier temps plein. M. Lee Boyle. Lee Boyle. Alors, est-ce qu'une proposition pour les cours? Je ne peux pas le proposer, là, mais j'ai une question. Oui. Est-ce qu'il est possible d'avoir la liste à jour là, maintenant? C'est pas mal stabilisé le personnel, là? S'il vous plaît. Donc, le proposeur, ce serait. Oui, je peux le faire. On peut attendre aussi le programme faire. Là. Vous avez vu qu'on attend les employés du. Okay. Bon, 2.4, document CSST. 2.4.1, adoption du programme de prévention incluant la procédure générale d'entrée et de travail en espace clos. 2.4.2, adoption des procédures pour les travaux d'excavation. C'est deux documents qui sont obligatoires pour la CSST. Dans le premier cas, le 2.4.1, c'est un programme de prévention qui a été préparé par la firme de gestion PMI. Qui nous accompagnent dans ce programme de prévention-là, mais aussi dans la formation de nos employés là, en espace lourd avec les matières dangereuses. Donc, c'est l'adoption du programme de prévention tel que demandé par la CSST. Le second, c'est des procédures de travaux d'excavation qu'on a fait à l'interne ici à partir des documents là, fournis comme modèle par la CSST. C'est des procédures là, à faire là, pour des travaux de tranchées là, avec les excavatrices. Là. Donc, une proposition pour le 2.4.1. Une proposition pour le 2.4.2. Je propose. 2.5, reddition de compte 2015, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. C'est l'aide financière qu'on reçoit du gouvernement du Québec pour l'entretien des routes qui nous ont cédées en 93. À moins que je me trompe, je crois que c'est le même montant qu'on a depuis... depuis ces années-là, on a 65 km de route qui nous ont été cédées en 93 avec la réforme Ryan. Puis on a un gros 155 000 pour faire l'entretien, et d'été et d'hiver. Donc, il faut quand même faire une reddition de compte pour démontrer au gouvernement qu'on a bien utilisé leur généreuse aide financière. La reddition de compte est de, je pense, c'est de proche 800 000. Là. OK. Donc, la reddition de compte n'est pas faite par nous. Non, Raymond Chabot. OK, il faut payer pour ça aussi. Bien sûr. Ouais. OK. Sur le 157 000 ouais. Qu'on reçoit. Ouais. Est-ce que... Je vais le monter ici. On
a 336 000 en un, puis ça, c'est seulement pour la voirie. Parce que pour le 2015, il fallait indiquer seulement que le montant des dépenses du verre, suivant l'avis qui a été envoyé par. Donc, seulement pour les dépenses du verre, on a 336 000. Okay. Il y en a une partie aussi pour les travaux d'été, mais bon, vous comprenez qu'on dépasse largement les 155 000. Okay. Est-ce qu'on peut informer les gens? Est-ce trop tôt pour informer les gens si pour les patchs? ben non, on peut le faire là, maintenant. L'usine d'asphalte a ouvert cette semaine. OK. Vous voyez la météo qu'on a, c'est pas le temps pour faire l'asphalte. Donc, notre équipe est prête depuis déjà un bon bout. Okay. Aussitôt que la température et l'usine d'asphalte nous le permet, on va commencer à faire le patchage de nos routes. Et en même temps, les routes de terre, on a eu des demandes aussi par rapport à certaines routes de terre un peu partout. Mais les routes de terre, ben, vous savez, quand ils mouillent comme ça, c'est pas praticable. Puis quand ce qu'on nous explique aux travaux publics, c'est que mettons, grader va, puis il cale, puis il va tout croche, ben, ça répare rien, ça brise plus que d'autres choses. Donc, on demande aux gens d'être patients, on connaît notre réseau, on sait comment il est, on sait où sont les pires places, on s'est séduit en conséquence, sauf qu'on travaille avec la température, on travaille avec la disponibilité de l'asphalte, etc. Donc, soyez certains qu'on comprend tout ce qui se passe. Oui? Pour revenir au point 2.5, le rapport d'auditeur indépendant. Marqué, bon, fondement de l'opinion. Il y a une opinion avec réserve qui est dans le rapport de Grant Thornton. J'aimerais comprendre ça. Les frais communs incluant les salaires, les charges sociales, les frais de fonctionnement des véhicules totalisant 336 000 $ pour lesquels nous n'avons pas été en mesure de vérifier qu'ils se rapportent spécifiquement aux routes visées par le programme d'aide. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire qu'ils sont pas venus faire l'analyse facture par facture. Pour venir démontrer que, parce qu'on a 65 km de route qui nous ont été donnés par le gouvernement, on a aussi un autre 35-40 km qui nous appartient. Fait que nous, on a fait une proportion pour dire bon, on a tant de dépenses dans le budget, fait que tant de proportions, c'est ce qu'on a remis à. Eux, ils travaillent avec notre rapport, c'est ça que ça veut dire? Eux, ils travaillent avec notre rapport. Fait que c'est la raison de la réserve. Il aurait pu aussi venir ici pendant une semaine tout analyser nos factures, mais on aurait payé pour le trip. Ouais, OK. Non, c'est beau. Mais suite à ça, dans cette même lignée, le mois passé, il y a eu le rapport financier qui était déposé. Et dans le rapport financier, il y avait un point que je ne comprends pas, en tout cas, j'aurais besoin d'explication. Ce qui est dit par le vérificateur, c'est qu'on aurait dérogé aux normes comptables canadiennes pour le secteur public et que ça nuirait à la fiabilité des états financiers. Qu'est-ce qu'il y a cité comme ça en contexte. Non, mais c'est ça la question. Ouais. Bon, ce qu'il dit, là, c'est le fondement de l'opinion avec réserve. Comme il est mentionné à la note 3, la Ville a modifié sa méthode de comptabilisation de paiement de transfert relatif à différents programmes d'aide concernant la construction d'immobilisation et d'autres dépenses financées ou devant être financées par emprunt dans certains travaux dont certains travaux ont été réalisés. Cette modif a été adopté rétroactivement, mais les états financiers pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014 n'ont pas été retraités, donc ajustés, j'imagine. Lui, il dit que ça consiste. Je comprends. En fait, c'est la même question que Michel Tott a posée à la dernière séance, où j'avais expliqué que c'était en raison des aides financières qu'on reçoit du gouvernement, maintenant qui financent en capital et intérêt. Dans le fond, au lieu de donner de l'argent en subvention, même un accord pour un emprunt. Donc, on emprunte et le gouvernement nous rembourse capital et intérêt de subvention. Mais pourquoi on serait en dérogation par rapport aux normes canadiennes pour le secteur public à ce moment-là? Pourquoi il a pris la peine de le mentionner? Ça, je ne peux pas vous dire. Donc, raison, parce que là, on parle de 3,79 millions. Là, c'est le montant important. C'est le montant de la CADUC. C'est la CADUC? Oui. Autrement dit, lui, c'est-tu comme on n'a pas de garantie qu'on va recevoir l'argent? Non. J'ai comme plus l'impression que quand on a commencé ça, je pense en 2012, les états financiers n'ont pas été faits selon cette norme canadienne. OK. Là, on serait correct, on s'est ajusté, c'est ça? Oui, c'est sûr. Nous, on suit.
on suit ce qu'on nous demande. Okay. C'est sûr qu'on aurait pu demander cette information-là quand le Grant Thornton et tout ça sont venus nous le présenter. Moi, ouais, j'étais pas là, mais je sais que le point est amené. J'ai écouté la séance et je sais que vous deviez en parler aujourd'hui. C'est pour ça que je pose la question. Oui, mais plus tard dans la séance, j'avais revenu sur le point pour expliquer à M. Méthode. OK. Mais il n'y a pas de surprise là, qui nous attend à cause de ça. Non. OK, merci. Ne jamais de surprise. Reddition de compte, bon, tu prends une proposition, ça? Oui. Proposition, M. Camira. 2.6, avenant numéro 1, entente signée en 2008 entre le ministre des Transports et la Ville de Percé. Préparation des plans et devis pour la construction de la route 132 Côte-Surprise. C'est la suite là, des travaux où on est toujours maître d'œuvre avec le ministère des Transports pour la reconstruction de la route 132 dans le secteur Côte-Surprise. Il y a un avenant au contrat parce que les travaux ont évolué au cours des années et finalement, bien, les choses demandées ont dépassé ce qui avait été prévenu au contrat. Donc, l'avenant, ce qui est un peu comme un addendum, est modifié pour prévoir les changements qui ont été faits dans les dernières années. C'est un montant de 450 000 qui prévoit là, couvrir les travaux qui ont été exigés par le ministère des Transports là, au cours des dernières années. Puis aussi une partie pour terminer les plans, je pense les plans d'avant-projet définitif, en prévision là, d'aller vers l'expropriation et finalement la réalisation des travaux, où là, tout indique que le ministère des Transports va reprendre la maîtrise d'œuvre de ces travaux-là. Donc on ne sera plus maître d'œuvre des travaux et les travaux vont reprendre, les plans de vie vont reprendre. C'est ça. Okay. Une question? Ça inclut, là, s'il y a des expropriations, on n'a rien à voir avec ça, c'est le ministère qui va s'arrêter avec ça. Dans le fond, on était un peu comme la boîte postale pour ces travaux-là. Okay. C'est des travaux du ministère des Transports où sont 90-95% des travaux leur appartiennent. Mais comme la ville de Percé, à l'époque, avait demandé la maîtrise d'œuvre, donc toute la gestion contractuelle avec les ingénieurs passait par la ville de Percé. Donc, on regardait un peu la parade passée. Là. Les ingénieurs puis le ministère des Transports se parlaient entre eux autres, demandaient des choses, mais il fallait que ça transitait par la ville. Donc, l'avenant, c'est venir finalement avoir les fonds pour venir financer tous ces travaux-là, puis aussi les fonds pour terminer les travaux. Mais qu'on soit maître d'œuvre ou pas, le ministère des Transports est toujours responsable des travaux. Ça, c'est vrai. C'est eux autres qui financent. Oui. OK. Bonne nouvelle. Proposition. 2.7. Ministère des Transports du Québec demande de permission d'occupation de partie de l'ancienne route 6, sise sur les lots 4 900 233 secteur Saint-Georges-de-Malbaie et 5 083 471 secteur Bridgeville, dans le cadre de travaux de remplacement de ponceaux. C'est une servitude temporaire. Généralement, ils ont besoin de ces autorisations-là pour mettre du déblai. Ils travaillent souvent la vie des cours d'eau leur appartient, mais pour avoir un air de travail là, à gauche ou à droite des cours d'eau, ils ont besoin de ces ententes-là. Puis à propos, ça montre qu'à quel point une municipalité doit être dans les règles de l'art, parce que, je veux dire, juste pour remplacer un ponceau, on doit faire une résolution et donner la permission au ministère pour remplacer un ponceau, alors que dans la tête de tout le monde, c'est très simple de remplacer un ponceau. Fait que ça vient, des choses comme ça viennent démontrer que c'est pas si simple que ça, dire qu'on est malhonnête. Tu sais, je veux dire, on est régi par quelque chose de straight, là. Fait que, ayez puis confiance. En plus, il va sûrement y avoir des certitudes permanentes qui vont venir par après sur les mêmes lots. OK. On a-tu proposé ça? Oui, M. Daniel. 2.8. Demande pour l'installation de lumière sur la rue Gionnet à Barachois et dans le secteur de Val d'Espoir qui traîne, ça traîne naturellement. Oui. Un dossier qui remonte à 2013, je pense, ma mémoire est bonne. Il n'y a aucune lumière qui est installée. On ne trouve plus de traces de cette demande-là, ni à Hydro-Québec, ni ici. Donc, on va refaire une nouvelle demande en espérant que ça va aller vite. Donc, une nouvelle lumière de rue dans la rue Gionnet à Barachois
et deux autres à Val-d'Espoir, secteur Haute-le-Mieux et secteur là, chemin de Val-d'Espoir. C'est ça. On va préciser les numéros civiques demain. D'accord. Proposition? Propose. Est-ce qu'on peut... Moi, j'aimerais ça juste pour... ce serait possible d'avoir une copie de la demande, surtout celle de Barachois, s'il vous plaît, je vais en faire le suivi. Merci. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ça prend autant de temps? Pourquoi ça prend autant de temps? Ouais. De ce que j'en sais, c'est pas des travaux qui sont jugés prioritaires auprès d'Hydro-Québec. C'est dans le fond, les installateurs ou les monteurs de ligne font ça quand il y a moins d'urgence à régler. C'est compliqué aussi parce qu'il y a des travaux qui sont partagés avec un électricien local qui doit aller faire des travaux avant ça. Puis après ça, Hydro-Québec va venir faire sa partie. Puis l'électricien local revient faire la fin des travaux. Ça fait beaucoup de démarches administratives, justement, pour seulement installer une lumière dans un poteau. Parce qu'on ne parle pas d'implanter de nouveaux poteaux. Là. En règle générale, on installe toujours des lumières de rue sur les poteaux existants. Est-ce que TELUS a de l'affaire là-dedans? TELUS, des fois, sont propriétaires des poteaux. Des fois, non. Ouais. OK. Proposition? Monsieur Daniel, Aménagement, urbanisme et développement. 3.1 Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. 3.1.1 Construction d'une résidence unifamiliale isolée au 312 route La Fontaine, Cap d'Espoir. C'est une maison qui a brûlé, qui va être reconstruite sur le même site. Hein? Les plans ont été montrés au conseil lors de la séance de travail du 30 mai et le comité consultatif d'urbanisme recommande l'approbation des plans présentés par le propriétaire. 3.1.2 Construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 083 969 Route des Pères, Val-d'Espoir. C'en est une qui s'est ajoutée suite à la séance au travail du 30 mai. On l'a transmis, nous l'avons transmis aux membres du conseil avec les recommandations du CCU. Encore là, le CCU recommande au conseil municipal d'approuver les plans tels que déposés. Proposition. Merci. Monsieur Majul. 3.2, promenade transitoire de Percé. En passant, on a affiché en arrière, vous allez voir où la table où vous avez pris les documents. Ça, c'est un panneau qui sera sur le site de la promenade transitoire dans le secteur de la maison du pêcheur, dans le secteur du stationnement, qui va expliquer aux gens là, qu'est-ce que ça va être, le temps que tout ça se construit, tout ça, qu'est-ce que ça va avoir de l'air et pourquoi c'est là. Donc, les gens qui se posent des questions, les gens qui ne savent pas, qui ne voient pas qu'est-ce que ça peut donner, donc ça va aider un petit peu à comprendre. Pendant l'affichage à l'arrière, je remarque que le dernier maire qui est affiché là, on n'a pas M. Cloutier, c'est un oubli. Non, c'est qu'on est en train de il nous manquait de cadres et de photos, c'est parce que ça se fait chez M. Chaud-Lagaspé, chez M. Calcédès. Donc, on a déjà fait la démarche, mais c'est plus long que prévu. Mais il va être là. Puis moi aussi, je ne suis pas là. Mais non, mais non, t'es au-dessus. T'étais déjà là, 3.2.1, demande d'autorisation en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement. Donc, c'est toujours en rapport à la promenade transitoire. En fond, c'est pour m'autoriser à déposer une demande pour avoir le certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement pour procéder à ces travaux. Okay. Proposition? Le second point, les appels d'offres sur invitation. On a reçu des soumissions pour la modification des conteneurs et on a reçu aussi des soumissions d'entrepreneurs en construction pour le revêtement extérieur de ces conteneurs-là. Dans les deux cas, les offres, on doit les rejeter parce qu'ils sont plus hauts que l'estimé et aussi ils dépassent les règles de la loi sur l'attribution des contrats. Donc, on dépasse le seuil de 100 000 pour les appels d'offres sur invitation. Donc, on ne peut carrément pas les accepter.
C'est un rejet des trois soumissions qu'on a reçues. Donc, on retourne à... On retourne toujours par appel sur invitation avec un projet modifié. Qui devrait être beaucoup moins cher. Puis plus rapide. Correspondre au montant qu'on avait estimé dans le projet. Bien. On a modifié les plans? Oui. C'est comment? Vous avez c'est interne. À l'extérieur, on ne verra pas de différence. Tu n'es pas censé recevoir un croquis, quelque chose de nouveau? Non, ça c'est... non, mais c'est parce qu'on n'a pas eu les plans détaillés, justement, qui vont aller, qu'on va aller en appel d'offres. Un nouvel appel d'offres. Oui. Si ce projet-là a été mis de côté, on a un nouveau... On peut les transmettre demain matin. On les a eu en fin de journée, on va les transmettre demain matin. Okay. Ça va-tu retarder les délais? On va l'avoir avant que l'appel d'offres est parti. Mais non, l'appel d'offres est parti. Pourquoi il y a un appel d'offres? L'appel d'offres est parti, ou part demain matin. Puis je veux dire, on n'attendra pas votre OK pour envoyer l'appel d'offres. OK, c'est pas important. Nous autres, c'est pas important ce qu'on... Ben, c'est ça. Non, mais c'est pas ça. Écoutez, là, c'est des professionnels qui travaillent là-dessus, puis ça. Vous trouvez ça beau ou pas beau? Vous n'êtes pas des professionnels? Non, on ne parle pas de beau ou pas beau. Là, on parle juste d'avoir les autorisations. Vous avez le vent que le coup là, puis ça a été rejeté. Comment j'ai fait ça, là? Les changements, c'est par rapport à la structure. Au lieu d'utiliser une armature de conteneur, projet avec un conteneur est carrément mis de côté pour y aller avec une structure plus classique de toit. Mais le visiteur ne verra pas la différence parce qu'il va être quand même habillé de la même façon avec un revêtement extérieur de bois comme prévu à l'origine. Okay. Donc, toi, ça va être mieux? Oui. Ouais. Oui. Puis on a des délais à respecter. Non, ça, je comprends. Puis il faut que ça marche. On travaille serré, mettons, dans ce dossier-là, je pense. On travaille serré. Oui, on travaille serré, un, au niveau du temps, deux, au niveau du budget disponible aussi. Nous, la raison qu'on retourne, on fait un pas en arrière pour être certain qu'on respecte le budget. C'est ça. Bon, proposition. Je propose. 3.3, relance Fort-Prévert Inc. Résolution d'appui au comité et désignation d'un observateur au conseil d'administration. Vous savez, toute la saga, là, ça fait quand même plus d'un an là, que la CEPAC avait décidé de fermer Prével. À l'époque, on avait été rencontrés, nous et la ville de Gaspé, où ils nous annonçaient qu'ils fermaient, puis ils nous l'offraient pour $1. C'était ça, sensiblement, à propos de ça. Je vous dirais qu'à quelque part, on disait non, mais d'un autre côté, on se sentait un peu pris dans cette démarche-là par la CEPAC parce que, comme la moitié ou une partie de Fort-Prével appartenait à Gaspé et une partie de Fort-Prével appartenait à la ville de Percé, compte tenu que la majorité de travailleurs qui étaient sur le territoire de la ville de Percé aussi, c'est sûr qu'on était très sensible à cette situation-là. Et il y a eu des démarches, il y a eu des discussions avec la CEPAC. Plus on s'en allait, on dit « voulais-tu vendre? Vont-tu trouver un acheteur? » etc. Puis là, finalement, dans tout ça, il y a eu un comité qui a été mis en place par les gens de la place, disons ça de même. Autant des gens de Gaspé que des gens de Percé. Je pense que Mme Baudin faisait partie aussi de ce comité-là, qui ont commencé à travailler sur un projet de relance de Fort-Prével. Et le comité s'est redressé, dont M. Cabot faisait partie aussi, d'ailleurs. Puis, on commençait à négocier avec Fort-Prével, avec la CEPAC, sur le retrait de transfert de Fort-Prével. Il y a eu aussi des discussions importantes avec les employés syndiqués qui ont décidé, par cette négociation, de se retirer de leur syndicat. Et, ils ont eu aussi des négociations avec la CEPAC pour le transfert avec un montant suffisamment important pour
faire les changements qu'ils ont à faire pour le rendre rentable, puis pour, avec le temps, le remettre, le relancer, en fait, autant avec le golf, autant avec l'hôtel, autant avec la piscine, puis toutes les infrastructures qu'il y a là-dessus. Bref, ces gens-là ont pris Fort Prével. C'est eux maintenant qui sont propriétaires. Le transfert a été fait officiellement, je pense. Donc, ce groupe de OSBL-là est propriétaire du site Fort Prével. Le golf est déjà ouvert. 8 employés sur 12 ont commencé à travailler actuellement. Puis, petit à petit, ils vont réouvrir le site. Comme exemple, là, ils veulent remettre les fortifications, ils veulent déterrer ce qui avait été enterré, des fortifications, alors développer ça avec les anciens combattants. Ils ont beaucoup de projets sur la table. Alors, ça, c'est une prise en charge. Quand on parle d'une prise en charge du milieu, là, c'est ça. Du monde qui se met ensemble, qui utilise toutes leurs compétences ensemble à réaliser un projet puis à sauver quelque chose. Là. Alors, comparé au début où les municipalités étaient pognées avec ça, mettons, utilisons le mot, là, ont été pognées avec ça, bien, tu as vraiment un exercice qui s'est fait qui devrait être répété un peu partout. Puis c'est de même, il faut que ça se fasse du développement. Il faut que le monde se mette ensemble, puis ils prennent le lead, puis ils le font. C'est pas la municipalité de le faire. Nous, quand il y a eu ce mouvement-là des gens du milieu, bien, nous, on est devenu des partenaires là-dedans. Puis, pas nécessairement des partenaires financiers, des partenaires pour des rencontres ministérielles, des partenaires pour les cadastres, puis ouais, donc, pour toutes les tout ce qu'on peut avoir comme responsabilité municipale. Alors, moi, je trouve que c'est... Il faut les féliciter, ces gens-là. Féliciter ceux qui ont monté ce projet-là. Il faut féliciter les employés qui ont fait des gros efforts pour que ça marche. Et l'ensemble des bénévoles, naturellement, qui ont œuvré à mettre les fleurs en place puis, pour sauver de l'argent aussi. Puis, vous pouvez aller voir Fort Prével. C'est très beau. C'est... je veux dire, c'est ouvert, il y a du monde en masse, il y a même beaucoup plus d'achalandage qu'il y en avait dans les dernières années. Alors, on pense que ça va faire un gros succès. Et en même temps, ben, on va désigner M. Cabot, je propose M. Cabot, pour faire partie, pour représenter la ville sur le comité de gestion de Fort Prével. Est-ce que... Monsieur Daniel. Oui. C'est Daniel qui a proposé? Non. Monsieur Réal, excusez-moi. Encore félicitations. Oui. Bravo. Félicitations aux gens de cette équipe-là. 3.4. Comité de concertation du Barachois de Malbaie demande d'aide financière pour l'embauche d'un guide interprète, l'organisation de la journée festive, le Barachois en fête et la création d'un site Internet. Donc, c'est, on a eu une demande de ce groupe-là les deux dernières années. On avait accordé combien? En fait, on a accordé 1 500 $ pour le guide interprète et il y a 100 $ comme pour tous les organismes qui est en vertu du règlement sur les dons et souscriptions pour les fêtes et festivals. Est-ce que je peux intervenir? Oui. Bon, j'ai regardé la demande et puis eux, pour fermer, boucler leur budget, il y aurait besoin de 2 500 $ qu'ils ont demandé. Ils travaillent avec d'autres partenaires, le gouvernement du Canada, pour un programme de stage étudiant. Ils travaillent avec Conservation Nature Canada, le Club des ornithologues de Gaspésie, et ils ont des dons particuliers aussi, de particuliers pour aider. Moi, je pense que l'organisme a démontré son sérieux, son utilité dans la promotion de la mise en valeur, là, quand même un des plus beaux sites de ce type-là en Amérique. C'est le genre d'activité là, qui est dans la même lignée que le géoparc, tout ça. C'est en lien avec la mise en valeur là, des beautés de notre paysage naturel. C'est vraiment très apprécié. Je ne connais pas personne qui est allé là qui est sorti non satisfait. Alors, je ne sais pas si. Je sais qu'il y a quelqu'un du géoparc ici, je ne sais pas si c'est intégré ou non là, dans leur promotion, etc. Mais ça pourrait être
un beau jumelage. Moi, je propose donc d'octroyer le montant de 2 500 $ tel que demandé par le président du CCBA, M. Pierre Poulin. Et puis, une suggestion pour les autres, j'en ai fait quelques-uns de ces endroits-là. J'arrive de vacances, puis souvent, ils mettent des portes, cueillir les gens, ils donnent des gens aux entrées. Puis, ça sert un peu à financer les gens. Donc, ma proposition va dans le sens de, d'octroyer le montant de 2 500 $ tel que demandé par cet organisme-là, le CCD. Incluant le 100 $ pour les fêtes. Non, le 2 500 $, il demandait pour la fête aussi, le 2 500. Ah, il demandait en plus? Oui, ouais, il demandait, c'était ensemble. Donc, on a les moyens. On dirait deux. C'est le point où je veux en venir, là, pour ne pas garantir là, que les crédits sont disponibles, là, parce que là, dans le projet de procès-verbal, on a la greffière qui a donné son aval pour le 1 500. Oui, c'est bien. Moi, ce que je propose. La trésorière qui a déjà mis son sou pour 1 500, moi, même l'ancien planant, je peux pas confirmer qu'il y a 2 500 $ supplémentaires dans ce fonds-là. Non, puis j'aime pas cette façon de procéder-là non plus, parce qu'à chaud comme ça, de dire si c'était accepté pour 1 500, on peut remettre 1 000 $ dans la prochaine séance de travail, puis on en discutera. OK, ça me convient. Oui. Donc, on dit que 1 500 pour 1 500. 1 500 pour aujourd'hui. Puis vous réévaluerez la prochaine séance. Votre proposition? Moi-même. 3.5, comité ZIP, campagne d'adhésion. Combien? 75. Rapport. Le CESIF est un comité qui est actif là, en environnement, mais beaucoup aussi en érosion du littoral. On a des services avec eux autres. Ils sont en lien aussi avec la chaire de recherche de l'Université Laval. C'est un organisme qu'on a des contacts assez réguliers. Proposition? C'est un bonjour. 3.6, demande de Mme Élodie Couture pour l'autorisation d'opérer une machine à pop-corn sur la propriété de l'auberge Tabre-Roland au cours de la saison estivale 2016. Monsieur Couture. C'est une demande inhabituelle, normalement qu'on ne traite pas là, en séance du conseil. Je trouvais intéressant de l'apporter, Mademoiselle Élodie Couture, là, c'est une jeune fille qui veut installer une machine à pop-corn sur la propriété de son grand-père, la table Roland, la table Roland. Elle s'est installée là pour vendre du pop-corn aux touristes durant la saison estivale. Considérant que l'usage commercial est déjà permis sur cette propriété-là, on parle de ça, semble-t-il que c'est un offre qui n'existe pas en Percé présentement. Puis je pense que c'est toujours bon aussi qu'une municipalité là, stimule l'entrepreneuriat là, chez les jeunes, chez la relève. Donc moi, je proposerais qu'on autorise par résolution là, Mademoiselle Élodie Couture à installer une machine à popcorn sur la propriété de l'auberge de Tabre-Roland. Okay. Est-ce qu'on parle d'une saison? C'est la saison on parle de la saison touristique 2016. 2016. Est-ce qu'on peut la lire par résolution, s'il vous plaît? Bon, monsieur. Exactement la même chose que je viens de dire. Considérant que Mademoiselle Élodie Couture demande à la ville de Percé l'autorisation de vendre du maïs soufflé à partir de la propriété commerciale de son grand-père, c'est-à-dire l'auberge de Tabre-Roland. Considérant que l'usage commercial est autorisé dans cette zone, considérant que la vente de maïs soufflé serait faite à l'intérieur des limites de la propriété de l'auberge de Tabre-Roland et qu'il ne s'agit pas de vente itinérante, considérant que c'est une offre qui n'existe pas présentement à Percé, considérant qu'il s'agit de la première expérience commerciale de Mademoiselle Couture et que la ville de Percé souhaite développer l'entrepreneuriat chez la relève, en conséquence, proposer, accepter. Il n'y a pas un commerçant qui va faire faillite à cause de ça. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'une une jeune fille aussi jeune pense à demander un permis, ce qui n'est pas tout à fait régulier. Un carrefour jeunesse-emploi. C'est comme si deux petits-enfants demanderaient un permis, ben, ils vont aller vendre du poulet, ou choses. Mais ils sont très super. Ça a brassé pas mal. Proposition? Je propose. Oui, moi aussi. Proposition. Veux-tu y avoir du popcorn rose? S'il vous plaît. Tu m'as juste un petit personnellement, j'ai absolument rien contre les popcorn, les hot dogs, les patates frites, tout ça. Mais j'ai attendu à avoir le permis. Et puis, toute demande devrait avoir un permis conforme et en règle pour tout le monde.
M. Lepage a répondu, c'est parfait. Maintenant, M. le maire, j'espère que tout le monde est conscient qu'on a ouvert une porte. Pas d'un enfant que je vends sur le coin. Il y a demain matin, ça va être dur à empêcher les autres de faire. Ben oui, on va les empêcher, Michel. C'est cas par cas. Pas de food truck va venir s'installer à partir de cas par cas, ça ne devrait jamais exister. Ben ça va être cas par cas. La loi, c'est pas ici. T'as vendu du popcorn, on va peut-être en vendre 50$ dans l'été. On est obligé de faire souvent des cas par cas. On peut faire des cas par cas, on en fait souvent, hein, même en construction, même en rénovation. Mais là, on ne parle pas d'un cas par cas, là. C'est, à la limite, c'est permis ce qu'il y a fait. Ça remet pas du parce que une vente itinérante où on se promène dans les rues un peu partout, ça, c'est pas hybride. Mais le fait qu'elle reste sur la propriété de sa famille, de son grand-père, ce n'est pas une vente itinérante. Donc, à la limite, elle n'aurait même pas eu besoin de permis. Bon, OK. Les propositions, as-tu faites? Oui. Je propose. C'est moi les popcorns. Tourisme. 4.1. Association touristique régionale de Gaspésie, renouvellement de l'adhésion. C'est combien? 1364 plus les taxes. TR. Merci. Proposition. Propose. Si. 4.2, engagement d'étudiants au bureau d'accueil touristique. Donc, deux étudiants, Mme Audrey Cyr-Langlois et M. Tristan Samuel Bourchette, des postes d'étudiants au bureau d'accueil touristique, la saison estivale 2016, durée respective de 9 et 8 semaines. 9 et 8 semaines. Propose. 5.1, Malbaie Festival Edition 2016. Combien demande une autorisation pour du bruit? Après, jusqu'à 2h30 du matin, les jours du 29 au 31 juillet. Même type que le festival. Hein? Je propose. Proposition. 5.2, club de golf Fort Prével Inc. Offre d'achat publicitaire sur le parcours. Depuis quelques années, on achète la publicité sur le premier trou du golf. Alors, on réserve, c'est combien? 600 $. C'est la ville de Percé qui, comme on est à l'ouverture, au début de la ville de Percé, c'est un peu notre information touristique au départ de la ville sur le premier trou. Donc, c'est intéressant d'avoir le premier trou. Donc, d'autant plus que c'est devenu une OSBL. Oui, encore plus. Ça nous permet d'encourager la survie et la relance. Alors, proposition? OK. Affaire nouvelle? Tu vois? Oui. Moi, j'aimerais revenir sur la cause de la commission municipale, le dossier 65-385. La dernière séance où j'étais présent, le 5 avril, la ville a déposé la décision de la commission municipale dans le dossier de la plainte qui a été faite par le maire André Boudreau contre moi. Alors, faute de preuves, les juges de la commission municipale ont décidé d'abandonner l'enquête. Aucune de ces accusations n'ont tenu la route, et au dire même de l'avocate qui était mandatée par la commission municipale, les déclarations assermentées des témoins contactés ne faisaient aucun doute quant à leur crédibilité. Il faut croire qu'il n'en était pas de même pour le témoignage du maire. Le maire André Boudreau n'a jamais pu prouver quoi que ce soit parce qu'il n'a pas eu manquement de déontologie. Laissez-moi terminer. C'est pas ce qui est écrit dans la décision, ça. Non. Non, je regrette. C'est pas écrit dans la décision. C'est ton interprétation. Ouais, c'est pas un jugement, ça. C'est pas un jugement. Non, regarde, t'interprètes le jugement. Okay. Oui, c'était pas un avocat, là. Prends le jugement, là. Oui. Puis, il est. Lis le jugement.
Le jugement, c'est ça. Non, non, je continue à lire. Tel quel. C'est parce que quand vous avez commencé la lecture, ouais, on aurait cru que vous alliez faire la lecture du jugement. Ouais. Là, ouais. On commence à lire. C'est quoi, c'est pas le jugement, ça? Continuez à lire. Un instant. Continuez à lire le jugement. Ben non. C'est pas le jugement, c'est ça. Non, mais il est en train de lire sa lettre qui est écrite, mais il devrait lire le jugement. Non, non, c'est le jugement. Si je veux lire le jugement, j'ai pas de problème avec ça. Non, ben, quand tu lis le jugement. Moi, ton interprétation, tu liras pas ça. Non, ici, hein, tu n'as pas entendu ce que j'ai à dire. Hein? Non, mais regarde, tu lis le jugement, montre ta tête. Tu lire le jugement. Moi, tout ce que je veux dire. Le jugement est très clair pour moi, là. Ouais, hein? C'est pour ça que tu fais une interprétation. Le jugement, il est très clair pour moi. Il est très clair pour moi. Ouais, vous avez shooté dans le beurre, c'est vrai. Absolument rien. Ça ne veut pas dire que. Quand tu arrêtes une affaire, ça ne veut pas dire que tu es pas coupable. Non. C'est ça. Quand un jugement. Je ne suis pas inquiète si on voulait ouvrir le dossier de A à Z, là. Publiquement, là, si vous me laissez la permission de dévoiler votre plainte, là. Ah, ouais, ça, tu peux le faire. Prends le jugement, tout est dessus. Non, je ne parle pas du jugement. On a-tu le jugement ici? Le jugement, monsieur le maire. T'as-tu ici? Excusez-moi, là. Laissez-moi la parole. Est-ce que ce que tu vas faire, si tu te sors ça, tu vas te lire exactement le jugement tel qu'il est écrit par le commissaire. Ce que je peux vous dire. Ça, c'est l'interprétation, ce que tu écris sur ton site. Ce que vous avez fait, c'est de la diffamation. Pas très longtemps. Oh, oh, un instant, là, c'est assez. Non, non, non. OK, c'est on fait. Tu veux aller à le jugement? Comment ils appellent ça? L'ajournement? Oui. Non. Non, non, ouais, continue. Non, on va la période non, non, des questions. Il faut aller à ça, on n'est pas encore passé à la période des questions. C'est ça. Il faut pas encore passer à la période des questions. Non, 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 monsieur le maire. Oui, boss. On peut-tu faire un ajournement? Le temps qu'on s'entend. Point d'ordre. Hein? Avant d'aller à la période des questions. Ajourner. Ajourner temporairement. Ajourner pour 5 minutes? Oui. Ouais. On peut? Ajourner pour 5 minutes. Parce que. Tu vas aller, moi je vais aller chercher le jugement. Oui. Non, non, je vais aller chercher. Je vais aller chercher, je vais prendre le mien, c'est encore mieux. T'as embarqué dans quelque chose, t'aurais pas dû embarquer. Bien sûr. Bon, pour ça. Bonjour. Bonjour. On va 5 minutes demain. C'est quelle heure? Tu peux 20h31. Ah oui. Ça t'envoie 24 de Pandore. T'es sûr que tu veux continuer? C'est vous le président de l'Assemblée? Non, non. Tu veux qu'on va arrêter ça et qu'on en reparle ensemble. Pas de problème. Non. Ça, c'est la décision. Du CMQ. On continue, on passe la période des questions. André, mets ton micro. Non, j'avais un autre point. Bon, allons à l'autre point. Puis, on en reparlera ensemble. L'autre point, c'est... L'autre point, ça concerne le quai de Percé. Ouais. OK. J'aimerais savoir à quel moment à peu près que l'administration portuaire, qui est de l'Ansapotis, cessait de s'occuper du quai de Percé, à peu près. 2013, 2012? 2011, avant ça. Dans ces années-là, 2012, 2013. Ouais. Okay. L'entretien là, que cette administration-là faisait là, sur, du quai, là, ça peut-tu avoir... a eu un impact du fait qu'ils ont cessé de faire ça dans la décision de Pêche et Océan, c'est ça? De vouloir cesser d'écrire, non? L'entretien non. Se résumait à vider les poubelles. Je ne sais pas si le fait de ne pas vider une poubelle ou de la vider... C'est juste ça que... J'étais à l'époque. Le service qui était offert, c'était surveillance des bateaux, quand les bateaux pouvaient rester la nuit. Les poubelles. Et vous étiez sur le conseil d'administration? J'étais sur le conseil d'administration. OK. Puis, quand ça a été le temps, à un moment donné, c'est qu'avec le quai de Percé, il demandait
dans le fond, l'administration portuaire, c'était l'administration portuaire pour l'ensemble des pêcheurs de l'ancien Beaufils d'abord. Puis, on payait un gardien de quai pour justement assurer le ménage, les poubelles, etc. La surveillance de nuit, c'était payé par les utilisateurs eux-mêmes. C'est qu'à un moment donné, ben, on se ramassait à s'occuper de ceux qui vendaient des choses sur le quai, quand il y avait une chicane, quand il y avait ci, quand il y avait ça. Puis, l'administration portuaire, les gens de l'Anse Beaufils, les pêcheurs, entre autres, ont dit au fédéral, regarde, nous, on s'occupe des quais de pêcheurs. Il n'y a plus de pêcheurs à percer. C'est plus un quai de pêcheurs. Il y en a six. On s'en occupe. Il y en avait six à ce moment-là, je pense. Six. Non. L'administration portuaire, à ce moment-là, recevait un montant du fédéral pour s'occuper de l'Anse Beaufils et de percer, c'est ça? Non. Non. Pas de même, ça marche. L'administration portuaire, elle est, c'est un organisme créé par le pêche océan qui, à l'époque, servait un peu à, mettons, pour des moyens travaux et petits travaux, servait à mettons, t'allais en appel d'offres directement par l'administration portuaire. Donc, ça évitait tout le mécanisme de pêche océan pour faire des travaux. Donc, mais au fur et à mesure que les années ont passé, les administrations portuaires n'étaient plus vraiment utilisées quand il y avait des travaux à faire, même juste mettre les pontons à l'eau, là ça prenait des soumissions fédérales avec trois missionnaires, etc., etc. Ça fait que c'était devenu compliqué, puis le rôle de l'administration portuaire, et il n'y avait plus nécessairement, je dirais, de rôle autre que entretenir le quai, ramasser les quaiages, puis payer les employés qu'il y avait sur l'administration portuaire. Alors, la gestion du quai de Percé, qui était assez particulier, devenait une lourdeur pour le l'agent de quai, là, parce qu'il s'occupait d'un beau fils et du quai de Percé en même temps. Donc, c'est pour ces raisons-là qu'à un moment donné, l'administration a dit au fédéral, regardez, on ne veut plus s'occuper du quai de Percé, on s'occupe du quai d'un beau fils. Mais en fait, contractuellement, comme c'est toujours le cas avec les administrations portuaires, il y a des beaux contrats d'un quart de pouce. Une responsabilité de l'administration portuaire dans ses beaux-fils de s'occuper aussi du quai de Percé, n'est-ce pas? Oui, mais... Jusqu'à temps que ça soit, je pense que c'est fin 2013 ou fin ou mars, je ne sais pas quelles sont les années, là. Oui. Ça va? Mais il y a toujours eu un gardien pareil, là. Mais où vous voulez aller? Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Allez-y. J'ai quelques questions. J'essaie d'avoir le droit. Depuis décembre 2013, je pense que c'est M. Camirin qui nous a remplacé sur le conseil d'administration. Oui, je suis sur le CA. T'es-tu sur le CA, mais il ne m'a pas remplacé. Non. Il ne m'a pas remplacé. Et vous êtes toujours administrateur et trésorier sur le conseil d'administration de Tourisme sans savoir. Non, j'ai démissionné. Ben, en tout cas, au registre, vous êtes toujours. Ben, j'ai démissionné. Quel temps? OK. J'ai démissionné il y a quelques années. Je pense que même avant que je sois élu. Ben, j'ai ici le document là, que j'ai fait imprimer ce matin. Là. C'est nom de famille André Boudreau, trésorier. Et puis, c'est marqué date début de charge 2012, puis il n'y a pas de date de fin de charge. Si le registre n'a pas été changé, là, c'est pas de ma faute. C'est pas moi qui charge les registres. C'est votre responsabilité de les mettre à jour. Ah. Là, on va où avec ça? On va que moi, là, j'ai une. J'ai une résolution actuellement pour déposer pour vote. Considérant que le quai de Percé a un impact régional majeur de l'économie et la qualité de la vie de nos citoyens, considérant que le quai de Percé a une importance primordiale pour tous les citoyens et commerçants de Percé,
Considérant que la Ville de Percé a signé une entente de principe le 17 juin 2014 qui a pour but la création d'un comité de travail qui touchait 14 objectifs, considérant que cette entente de principe a été signée par la préfète de la MRC du Rocher-Percé et par tous les maires constituants, c'est-à-dire les 5 municipalités et d'autres personnes, mais entre autres par les maires, considérant la difficulté d'avoir une entente avec les partenaires, considérant la difficulté pour les conseillers, en particulier celui du district de Percé, qui a dit à maintes reprises d'avoir des problèmes pour obtenir l'information, considérant la mise en demeure que la Ville a reçue de la part des compagnies de bateaux, considérant qu'André Boudreau, maire de Percé, est administrateur et trésorier d'administration touriste en sa beau-fils. Considérant que M. Boudreau est potentiellement en conflit d'intérêts pour les raisons évidentes de s'abstenir de toute démarche concernant le type Percé, considérant que M. Renaud Camiran est aussi administrateur sur le conseil d'administration portuaire de l'Anse à Beaufils, qui peut potentiellement se placer en conflit d'intérêts. Ça, je sais d'où ça vient. Pour les mêmes raisons, s'abstenir de démarches concernant le type Percé. Donc, je propose. Il a proposé que la MRC, sous la direction de la préfète, Mme Nadia Minassian, prenne en charge les négociations ainsi que la présidence du comité prévue dans l'entente de principe signée le 17 juin 2014, signée à MRC. Cette entente de principe prévoit spécifiquement mise en place du comité et a été co-signée, je le répète. Il a proposé que M. André Boudreau et Renaud Camiran ne soient pas de ce comité et qu'ils n'interviennent d'aucune façon dans ce dossier tant qu'il n'est pas réglé du côté régional. C'est une proposition de résolution. Voulez-vous un vote là-dessus? Oui, je demanderais si vous avez des commentaires. Parce que moi, je suis en fait. Oui, non, il n'est pas. Non, oui. Moi, je vais seconder ça. Oui, je sais. Mais avant, on va demander le vote. Avant de seconder, on va voir si le monde est d'accord, hein? Mais la résolution, ça veut dire qu'André Boudreau est enlevé du comité parce qu'il est membre du... Le touriste sans beau-fils. Touriste sans beau-fils, mais il vient de vous dire qu'il a démissionné il y a 2 ans. Oui. On a demandé aussi que c'est plus la ville de Percé que Jean Lénégo, mais la MRC via sa préfète. Ouais. C'est aussi ça. En réalité, là, le Québec, actuellement, il est au fédéral. OK? Et à date, là, je n'ai pas vu vraiment je pense qu'on est dans un cul-de-sac avec les comportements des deux parties. Je peux me tromper, là, mais j'ai l'impression que c'est trop drôle de trouver quelqu'un, là. J'ai pas le droit de réagir à ce que vous dites. Vous m'accusez, j'ai pas le droit de réagir. Qu'on fait dans ce temps-là? Présentement, il y a un processus de médiation qui a été accepté par les trois parties, l'influx touristique, les deux compagnies de bateaux et la ville de Percé. Ça rend cette résolution-là complètement caduque. On ne discute tout simplement pas de tout ce qui concerne le quai, le temps qu'on est dans le processus de médiation. Ouais, voilà. Moi aussi. Fait qu'on arrête ça là. Monsieur, il faut quand même qu'on tienne, on suit la procédure. Monsieur Daniel a fait une proposition. Okay. Je vais devoir l'intégrer au procès verbal. Il faudrait qu'il me la transmette. Ouais. Et là, le conseil vote sur cette décision-là. OK. Alors, considérant que nous sommes présentement en médiation et que cette proposition devient caduque, je vote contre. Considérant que M. le maire a démissionné il y a 2 ans, je vote contre. Je vote contre. Moi, je ne peux pas voter, j'imagine. Je suis Par conflit d'intérêt. Vous pouvez voter pareil. Par rapport au membre du conseil, c'est très bon. Moi, je vote pour. J'aimerais m'expliquer aussi. Ah, tu peux. Ça vous dérange pas. Là, fini, puis on va arrêter ça. Votre vote contre, naturellement. Votre vote pour, naturellement. Qu'est-ce qu'on fait, là? C'est 2 contre 1, 2, 3, 4, 5. 4 contre 2. Bon. Alors, on arrête ça là. Mais je peux te dire pourquoi? 5. Tu peux le dire. Je trouve que ça fait trop longtemps que ça patine. C'est pas compliqué. Il est temps qu'il y ait quelqu'un d'autre qui s'occupe de ce dossier-là. Il y a un médiateur, Il patine, mais avec.
C'est pas sérieux. C'est que j'ai été écarté depuis longtemps, puis c'est le seul, je suis le seul à peu près qui ne connaît pas dans le bout du pied. Et ça, vous trouvez ça bien comique. Non, non, t'es pas bien. L'empêcheur, mon fils, à chaque fois que vous nous volez un pêcheur, vous grossissez votre magot là-bas. Oui, si tu savais, le magot. Vous nous grossissez aussi. Si tu savais le magot de l'administration portuaire de Lanceau-Beaufils, tu serais sûr. On s'en fout du magot. Ben, tu viens de le dire. Tu viens de le dire, le magot de Lanceau-Beaufils. Slack le magot. Le magot, ben, je suis obligé de rire. Excusez-moi. Les deux bras me tombent. Hey, écoutez. Vraiment, j'ai jamais entendu quelque chose d'aussi. Comique. Je me dirais si on faisait analyser la situation par le ministère des Affaires ministérielles. Oh, faites donc ce que vous voulez. Ça se peut que je me trompe. Oui, oui. Faites-les. Voulez-vous un vote là-dessus? Non. Non, bon. OK. Appelez-les. Bon, on va. Y a-t-il quelqu'un qui a d'autres dossiers? Non, bon, allez. Non, on va aller à la période des questions en espérant que. Mais tu n'es pas au jugement? Hein? Non, il n'y aura pas de jugement. On va arrêter ça là. Moi, ce que j'aimerais, c'est d'avoir votre permission pour rendre publique la plainte que vous avez faite. Vous n'êtes pas gêné de ça. La plainte intégrale, telle que vous l'avez faite. Oui, mais avec la décision. Ah, j'ai aucun problème avec la décision. Écoutez, j'ai gagné. Fait que ça n'a aucun problème. Non, non, vous n'avez pas gagné. Là. Regarde. Ben, écoutez bien, là, quand la commission municipale arrête à une enquête, là, c'est parce qu'ils ont bien trouvé. C'est moi qui ai demandé d'arrêter. Ah, bon. Pensez-vous que vous avez le pouvoir de demander à la commission d'arrêter une enquête, vous? Je m'excuse, pas demain que ça marche. Merci beaucoup. Hey. Bon, OK. On passe à la période de questions, mais là, si vous m'arrivez avec des questions sur le quai, puis vous arrivez avec des questions sur la commission, puis dans tout ce qui s'est... J'arrête ça, là. Je vous le dis tout de suite, là. J'arrête ça. C'est assez, là. C'est assez à comédie. Demandez pas de questions, vous n'aurez pas de réponse. Assez. Mais je veux juste vous dire que j'ai abandonné l'idée de vous poursuivre, OK? Ah, parce que ça coûterait trop cher aux citoyens, finalement, puis je veux pas, c'est pas ça que je veux. Puis je veux pas me faire écœurer, puis je veux continuer qu'on me laisse faire ma job de conseiller. Merci. Tranquille. Bon, mais reste dans... occupe-toi de tes gens à Barachois, là, puis laisse faire les autres... Excuse, monsieur Boudreau. OK? Gens de Barachois, c'est 335 personnes. Ouais. Deuxièmement, la majorité des choses qu'on signe ici concernent l'ensemble des citoyens. D'accord. L'ensemble des montants, les plus gros montants, là, c'est pas à Barachois. Quand tu n'as pas de mandat d'aller ailleurs, reste dans ton show. Il y a un mandat dans les sites, puis quand je cite, ouais, on va faire m'écouter. C'est pas les sites qui est le problème. Non, je le sais. Hein? Je pas juste sites, en tout cas. Merci. Période de questions. Bon, bonsoir, Mme Ginelle Boulanger. Je voudrais juste, sur les plans qui sont derrière, que les trois offres qui ont été, que vous avez rejetées, pas pour une question parce que c'était vert ou que parce que c'était trop cher. C'est trop cher. Ouais. C'est ça, OK. On a revu la structure. Oui, OK. Juste parce que les appels d'offres ont été rejetés parce les prix étaient trop dispendieux comparé au budget que vous avez. Ça ressemblait à la même affaire. OK, bon, c'est juste que je n'avais pas d'autres questions. Je voudrais annoncer le 25 juin, à l'Oasis de Percé, il y aura une grosse vente de garage. Dans le cadre de la grosse fin de semaine Festiplage, il y aura des tables à louer à 10$ la table. Il y aura des profits de certaines choses qui nous ont été données, vont aller à un organisme qu'on va choisir nous autres mêmes. Et ceux qui veulent louer des tables peuvent faire le 782-50-32. Laissez le message et on va vous rappeler pour confirmer votre location de table. Alors, le 25 Oui, le 25 juin, de 9h à 4h. Oui, dans le stationnement. Si on déborde, on ira dans le stationnement de l'église. Okay. Et les personnes qui travaillent à la détention vont venir faire des hot dogs, vendre la liqueur, eux, pour opération Enfant Soleil, cette journée-là. Okay. Fait qu'on vous invite à venir en grand nombre. Puis, si vous avez des choses à donner que vous ne pouvez pas transporter, on peut aller les chercher bénévolement. Merci. OK. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Moi, la question, c'est pour Félix. Moi, je me demande comment ça se fait qu'il y ait eu des feux à Cap d'Espoir, puis il y avait seulement un pompier de Cap d'Espoir qui était là, à un feu, un pompier et l'autre feu. La dernière fois que tu as parlé, tu disais que tout allait bien
qui avait eu des rencontres puis tout. Ah, oui. Hey, wow, un instant. Hey. C'est toi, Gainer. Hey. Tu parlais? OK, on arrête ça là. Bon, on arrête ça là. Okay, c'est assez, là. Il y a plein d'autres personnes qui ont des questions. Hey. C'est parce qu'il est toujours agressif. C'est pas comme ça qu'on l'aime dans la santé. Il est toujours agressif. C'est pour ça qu'il est toujours agressif. Est-ce qu'il y a une proposition? Oui, pas de problème. Et si on lève l'Assemblée, là, il y a une proposition pour faire un vote. Moi, je pense qu'on n'a pas l'Assemblée comme ça parce que quelqu'un... On vote. On vote? Hey, voyons donc. C'est quoi cette affaire-là, là? On vote? Il y a un règlement, le 418-2011, monsieur le maire. Vous devriez vous y référer de temps en temps. Est-ce que on peut arrêter la rencontre? Continuer la période de questions, simplement. C'est pour ça, monsieur le maire, même lui, il n'a même pas le droit de faire ça. Il est supposé vous demander la permission. Vous allez vous asseoir. Vous, je ne réponds pas à vos questions. Ça va? Parce que là c'est assez. Là. C'est assez. OK? C'est ridicule, là. Franchement. Hein? Si l'autre est craqué par rapport à que l'autre a craqué, c'est pour mon problème à moi. Mais non, je veux dire, t'es... Non. Regarde, ton discours n'est pas correct, là. Ton attitude n'est pas correcte. C'est pas la première fois qu'il fait. C'est pas la première fois que M. Proulx fait ça. Il y a eu une réunion le 5 avril à propos des taxes. Il a fait la même réaction pour parfois. Il se calme les mains. Monsieur Proulx, il fait ce qu'il veut. Monsieur Proulx, il fait ce qu'il veut. Quoi? Il est élu, mais comme l'autre, il fait ce qu'il veut. Il n'y a même pas de vrai. À chaque fois, il fait ça. Arrêtez. Madame Boulay voulait poser une question. Oui. Allons-y. Donc, si vous voulez, pour le regroupement citoyen sur, contre les nuisances sur des tours d'hélicoptères, on veut remercier la municipalité d'avoir délégué deux personnes à la conférence téléphonique du 24 mai qu'on a eue avec le propriétaire de Passeport Hélico, avec M. Leroux. Et cette conférence téléphonique-là, c'était pour en arriver, pour négocier des mesures d'atténuation des nuisances. Et il y avait, à part M. Camiran et M. Caron, qui ont été délégués par la Ville, et M. Leroux, qui était à l'autre bout du téléphone à Mascouche, il y avait les cinq représentants officiels du regroupement, c'est-à-dire, à part Mme Côté et moi, il y avait aussi M. Beaulieu, qui était présent, et M. Jean-François Gagné, qui est propriétaire du Pic de l'Aurore, et M. Marco Denoui. La dernière fois, quand je suis venue le mois passé, je vous disais que Passeport Hélico avait l'intention de revenir, ce qui se confirme, et par contre, on ne savait pas à quel endroit, sur quel terrain, et là, il nous a expliqué qu'il va revenir au même endroit, donc à Cap-Rouge, et... par contre, ce qu'il nous dit aussi, c'est qu'il est ouvert à aller dans un autre endroit, si on lui proposait un autre terrain. Donc, on aurait besoin encore de la participation de la Ville pour regarder, pour trouver, pour proposer un autre endroit et s'assurer aussi que les règlements municipaux vont être appliqués sur le terrain en question. Excusez, Mme Boulay, juste une précision, c'est que Monsieur... comment ça s'appelle? Leroux. Leroux a fait des suggestions de secteur, de carte de vol, en fait, là, en lieu et en altitude, tout ça. Vous avez fait, votre groupe a fait une contre-proposition. Est-ce que vous avez eu des réponses là-dessus? Effectivement, non. On attend toujours la réponse de M. Leroux. Est-ce que il serait pas bien d'attendre voir la proposition, une proposition finale de M. Leroux? Effectivement, on attend la réponse, mais comme on n'avait pas eu d'autres discussions avec la Ville, avec les représentants de la Ville, on trouvait important de venir faire le point ce soir, puis aussi d'expliquer que nous, ce qu'on a demandé, ce qu'on a négocié, c'est de diminuer, évidemment, le bruit au lieu d'opération, parce que pour les citoyens qui habitent à proximité, c'est effectivement très bruyant. Mais aussi, il y a tout le phénomène de résonance. À chaque fois que l'hélico va longer la côte ou survoler les montagnes, ça fait un bruit incroyable avec cet écho-là. Et c'est là-dessus qu'on a voulu beaucoup le sensibiliser.
Alors, on voulait aussi informer la population d'où on en est rendu dans ces négociations-là. Okay. Et pour la suite, je vais laisser M. Beaulieu continuer. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, Madame, les conseillers. Comme vous le voyez, M. le maire, on a fait nos devoirs et on a même pris les initiatives que vous souhaitiez qui soient prises au dernier conseil municipal. Cependant, pour faire écho à votre question que vous venez de poser, nous sommes persuadés que la participation prompte et active de la Ville dans ce dossier, dans l'intérêt de tous, pour éviter que cette attraction ne devienne une nuisance économique au tourisme de Percé, en lui faisant perdre des touristes qui sont venus ici pour profiter de la beauté, du calme et de la nature. Plusieurs commerçants, d'ailleurs, et aubergistes l'ont constaté déjà l'année dernière. Donc, la question, c'est parce que, comme dans toute bonne négociation, si on se tient ensemble, on risque d'avoir de meilleurs résultats et de savoir si on peut toujours compter sur la Ville pour nous travailler activement avec nous afin de trouver, avec Passepol Hélico, un compromis qui soit pour le bien-être de l'ensemble de la population de Percé. Parce que c'est dans ce sens-là qu'on travaille et nous avons soumis un document de Transport Canada qui, d'ailleurs, établit que les élus et les représentants locaux ont un mot à dire sur les mesures d'atténuation, et c'est exactement là-dessus qu'on travaille. Donc, on espère qu'on va continuer à travailler, comme on l'a montré avec la conférence téléphonique, travailler avec la Ville pour que, justement, on puisse arriver à un compromis satisfaisant. Je pense que c'est bien parti. Je veux dire, on va attendre aussi ce que M. Leroux va... va proposer aussi, on répond à ça, puis on va suivre le dossier. Je subodore que, comme dans toute bonne négociation, nous avons fait une contre-proposition, il va revenir, il va y avoir des éléments, là, que c'est pas ça qu'on veut s'assurer de l'appui de la Ville. C'est ça, on a suivi ça, puis on va attendre le résultat de M. Leroux. Mais on peut compter sur l'appui de la Ville? On est toujours là. Merci. J'ai deux petites questions rapides, si vous permettez, M. le maire, ouais. Sur d'autres sujets. Le quai, mais je vous avertis tout de suite, pas sur le débat. Je voudrais juste savoir, à titre d'information, est-ce que la formule du quai, telle qu'on le voit actuellement, qui est coupée de moitié, et donc on ne peut plus se rendre au bout, aller pêcher, est-ce que c'est une solution pour tout l'été? Oui. Donc, on n'aura pas de pêche cette année à Percé? C'est un peu dommage. Là. Les macros vont être contents? On n'a pas beaucoup de contrôle là-dessus. Sauf que pour des questions de sécurité, Pêche Océan a fermé cette section-là parce que la dalle est vidée en dessous. Ils ont réparé en partie, vous avez vu, pour permettre au moins de dégager un débarcadère. Et malheureusement, on ne pourra pas y aller au bout. D'accord. Sur une question de compréhension, je vois qu'on demande sur la question de la... des tours d'observation qui doivent être faits, une demande d'autorisation au ministère de l'Environnement du Québec. Il va y avoir des délais, je présume, à ce moment-là? Pas nécessairement. Idéalement, non. Mais on remarque que on l'a demandé, on n'était pas nécessairement obligé parce qu'on était... Pas qu'on l'a demandé, parce qu'on n'est pas dans la rue. On n'est pas dans les terrains privés. On n'est pas en milieu riverain. Peut-être parce qu'on a eu une aide financière du gouvernement, on a incité qu'on fasse une demande. C'est ça. Mais ils comprennent l'urgence de... Surtout que c'est parce qu'on n'est pas dans un plan d'eau, on n'est pas... disons que les règles de l'art nous... D'accord. Je ne ferai pas de débat sur la question parce que tout le monde a ses goûts, mais quand même, n'y a-t-il pas un code de couleur qu'on impose aux résidents de Percé, aux propriétaires? Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de la couleur qui peut être visé ou revu? Il ne faut pas le voir comme ça. C'est un concept temporaire. Oui, je comprends, mais qui va être très évident. On aurait mis rouge, le monde aurait chialé sur le rouge. Non, mais il n'y a pas des couleurs à Percé, il me semble qu'on a, même aux propriétaires, on demande de respecter certains codes de couleur. Je me souviens, à l'auberge des Pirates, ça a été fait. Ce qu'on vous dit, c'est temporaire. Mm. C'est temporaire, puis il faut que ça ait l'effet que ça doit avoir. Tu sais, c'est un effet de... pour... C'est un effet pour réagir à ce qui se passe à Percé. Ça, c'est très réussi. Il faudrait peut-être attendre que c'est fait. Ça, vous allez voir que dans le concept global, ça va être intéressant. Les gens vont aimer ça. Puis déjà beaucoup de monde ont hâte de monter. Je pense que juste à penser, faites-vous un petit concours de dire on va aller prendre des photos là. Il va y avoir 2 ans pour prendre des photos là, puis après ça n'existera plus.
D'accord. Une question qui touche mon local très particulier. Je comprends qu'on refait des questions des plans et devis sur la réfection de la route à la Côte-Surprise. Est-ce que ça touche la courbe, la fameuse courbe de la tour d'observation et le local? C'est pas les plans, c'est la fin des plans. C'est la fin du mandat qui avait été initié par Roche à l'époque. Oui, mais est-ce que ça touche ce secteur-là? C'est le secteur. Et ces plans-là sont-ils disponibles au public? Est-ce qu'on peut... Au MTQ. Non, il n'y a pas encore eu d'appel d'offres dans le dossier. Là, c'est... Ah, OK. Quand ça va être au niveau de l'appel d'offres, c'est là qu'on va voir. Merci. Bonne soirée. Moi, je veux juste un commentaire. Est-ce qu'il y a moyen de poser une affiche sur la clôture pour expliquer aux touristes le pourquoi du quai? Pourquoi le quai n'est pas fermé et pourquoi il n'y aura pas de pêche au bout du quai cette année? Oui, on peut bâtir juste quelque chose. On peut demander à la pêche océane en mettant aussi. Mais. Nous, on en fera une, un peu dans le genre de l'éphémère, là. Tu sais, pour expliquer. C'est juste on demandera à nos gens, oui. Okay. D'autres questions? D'autres questions? Propositions? Merci. Bonsoir. OK.